Bonjour Nathan. Bonjour. Aujourd'hui, ça fait 3 mois que tu as été nommé à la tête du SOPCC. Quel bilan tires-tu un petit peu Quel bilan fais-tu de ces 3 premiers mois de présidence? Un bilan positif. On a réussi à réengager l'équipe première en NM1. Ça a été du dernier moment, mais on a réussi. On est même bien engagé puisqu'on vient de terminer la phase aller de la première phase. Aussi au niveau du côté amateur, on a réussi finalement à arriver quand même autour de ces 250 licenciés qu'on espérait. On pensait avoir un peu plus de pertes. Ça veut dire qu'il y a un véritable engagement pour le basket. On a eu beaucoup de nouveaux inscrits, notamment sur les petites catégories U7, U9. C'est à partir de là que le projet sur le pôle amateur se construit. Donc je dirais vraiment un bilan très très positif, satisfaisant. Il y a encore énormément de boulot, c'est sûr. Mais pour l'instant, on est sur la bonne voie. Très bien. Ensuite, on va parler un petit peu de l'équipe Fagnon, la N1. Quel bilan fais-tu après cette phase aller, sachant que nous sommes 10e au classement avec 5 victoires, 8 défaites. Donc on a eu des gros coups, notamment face à Boulogne et Mulhouse à domicile. En déplacement à Boulogne, et on a eu aussi des petites déceptions avec les défaites, les dernières défaites contre Avignon ou Besançon par exemple. Donc quel bilan toi fais-tu après cette phase aller justement? Si on regarde le classement, je dirais positif, parce que si ça s'arrêtait là, on serait dans les objectifs du club, qui est à savoir éviter la poule du bas et jouer ce fameux play-down avec la peur au ventre pour la relégation ou le maintien. Mais en même temps mitigé, parce qu'aujourd'hui, je sais la qualité qu'a le groupe. Ils l'ont montré avec des grosses victoires, que ce soit à Boulogne, chez nous face à Mulhouse, qui aujourd'hui est dans le trio de tête. Donc on a les capacités d'être beaucoup plus haut que ça. Donc je dirais mitigé par rapport à ça, parce que je sais les qualités intrinsèques du groupe et qu'on est capable d'être bien plus haut que ça. On a vu la saison démarrer avec Jonathan Hudson au poste de meneur, qui a vite été remplacé par Bakary Evelyn. Bakary Evelyn qui est justement arrivé avec une période d'un mois d'essai. Justement, est-ce que tu peux nous dire si cette période d'essai est terminée ou si Bakary continue l'aventure avec nous jusqu'à la fin de saison? Effectivement, par rapport à Jonathan, comme tu l'as dit, il a rejoint le groupe alors un petit peu en marge du reste, puisqu'il est arrivé un petit peu plus tardivement dans le début de saison. Un joueur d'expérience, qui avait de l'expérience européenne, notamment en France, avec un passage à Caen, dont on attendait un véritable leader sur le terrain et un relais pour le coach. Au niveau du scoring, on n'avait pas grand-chose à lui reprocher. C'était le meilleur marqueur de l'équipe avant son départ. Mais il avait beaucoup de mal à s'adapter à la philosophie de jeu du staff, notamment avec beaucoup d'efforts défensifs à faire. C'était un petit peu compliqué pour lui. Il y a eu aussi une difficulté d'adaptation par rapport au groupe. C'est jamais évident quand un joueur étranger intègre un groupe franco-français. Il y a eu une discussion avec le staff à la suite du match, notamment face à Chartres. Et puis face à Lyonceau, qui a ensuite entériné la décision de se séparer de Jonathan. J'ai aussi discuté avec certains membres du groupe pour savoir un petit peu comment ça se passait au cœur du groupe. Voilà, on sentait qu'il y avait un petit mal-être avec Jonathan, donc il a fallu effectivement prendre la décision qui s'imposait et de s'en séparer, parce que ça reste un poste qui est très très important, le poste de meneur de jeu. Et effectivement, tu l'as dit, l'arrivée de Bakary Evelyn, qui avait fait une pige en Allemagne, qui devait normalement rentrer aux États-Unis, qu'on a réussi à rattraper en plein vol, je dirais, pour nous rejoindre ici, effectivement, avec en période d'essai un mois. 24 octobre, il est arrivé, donc jusqu'au 24 novembre, il était en essai. Il est encore là aujourd'hui, il le sait, on lui a signifié qu'on comptait sur lui pour le reste de la saison. C'est un joueur qui nous apporte du scoring, on le sait, c'est le meilleur marqueur de l'équipe, mais qui sait aussi faire jouer l'équipe, il l'a montré, qui s'est bien intégré au groupe, le groupe l'a bien intégré, il vit bien dans le groupe, il fait bien vivre le groupe, c'est très très important, surtout qu'on a un groupe de jeunes qui s'entend bien, donc c'est très important que le groupe puisse vivre correctement. Donc Bakary est là, on attend effectivement plus de lui, c'est une certitude, c'est un jeune joueur qui a des axes de progression encore importants, notamment défensivement, on l'a dit, on sait que la base de notre jeu elle est défensive, donc on lui demande et le staff lui demande beaucoup plus d'efforts à ce niveau-là, mais Bakary est là et sera là jusqu'à la fin de la saison. Justement, aux côtés de Bakary, nous avons Brian Coudray en meneur, qui est l'un des 3 joueurs double projet, donc qui évolue avec la N1
et avec la CTC avec mes yeux. Donc bah, justement, parle-nous un petit peu de cette CTC et de son projet. Aujourd'hui, c'est un projet qui est très important pour le club, si ce n'est capital. C'est sur les catégories CTC au niveau des jeunes qu'il y a des niveaux de jeu qui sont intéressants pour les jeunes. Nous, ça nous permet aussi d'avoir une attractivité par rapport aux jeunes joueurs, ceux qui ne sont pas forcément sur le papier aptes à jouer toute une saison complète en M1 et qui peuvent du coup doubler en N3. Tu l'as dit, on a trois joueurs qui sont dans ce cas-là, Brian Coudray, Dimitri Diarra et Damien Sekebele. On est sur une saison un petit peu bizarre parce que Brian Coudray et Damien Sekebele, qui normalement doivent faire ce double projet, tu l'as dit, sont finalement deux joueurs qui sont des titulaires indiscutables dans l'équipe, qui ont joué 25-30 minutes de moyenne par match sur la phase aller. Donc avec l'enchaînement des matchs en N1 et avec le statut qu'ils ont réussi à prendre, ça complique un petit peu le double projet N3, mais ma volonté est toujours qu'ils s'inscrivent dans ce double projet, que le SPCC s'inscrive dans ce double projet-là. Aujourd'hui, ils jouent vendredi à Caen, ils joueront samedi avec la N3, c'est le projet. Ils étaient au courant, on le savait, et on a besoin de cette équipe en N3 aussi, parce que comme je l'ai dit, elle nous apporte énormément. Donc à nous maintenant de nous ajuster. C'est vrai que si on prend un Brian Coudray ou un Damien Sekebele, qui ont été deux grands artisans de notre passage très positif au cours de cette phase aller-là, c'est des joueurs qu'on attendait à ce niveau-là, mais pas aussi rapidement, qui ont une progression très rapide, mais qui ont encore de quoi progresser, et c'est plutôt du coup satisfaisant, parce que quand on voit le niveau qu'ils sont capables d'atteindre, et on sait qu'il y a encore de la réserve et qu'ils peuvent aller chercher plus loin. Mais aujourd'hui, ils sont clairement dans ce double projet N1, N3, et nous, on est plus que jamais inscrits dans ce projet CTC, qui est indispensable pour nous. Justement, tu parlais de Brian et Damien qui sont devenus des joueurs importants dans l'effectif sur cette phase aller. Et pour ce qui est de la phase retour et de la deuxième phase, est-ce qu'on doit s'attendre à des recrues au niveau de l'effectif, justement? Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites à ce niveau-là, notamment au niveau de la presse locale. Il n'y a pas de recrutement de prévu à l'heure actuelle, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour deux raisons. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, si on regarde objectivement, si la saison s'arrêtait maintenant, on serait dans les objectifs du club. Et je l'ai dit, je sais que cet effectif a largement les capacités d'être plus haut que ça. Ils l'ont montré, il y a une grosse marge de progression, tu l'as dit. Mais justement, il y a une phase aller qui est faite et ils continuent de progresser et vont continuer encore. Et à partir du moment où j'estime en tant que président que l'effectif qu'on a sur le papier est capable de répondre aux objectifs du club, il n'y a pas de recrutement de prévu. On a beaucoup parlé de l'intérieur et à juste titre, mais aujourd'hui pour moi on a un secteur intérieur qui n'est pas si déficitaire que ça. Alors effectivement contre les grosses équipes c'est très compliqué, mais on n'est pas si déficitaire que ça. On gagne pas mal de batailles de rebond pendant les matchs. Aujourd'hui on a des intérieurs, que ce soit Tchèque qui est notre capitaine et qui a de l'expérience, Baptiste Guillou qui a une énergie débordante, Lucas Tevenard qui aujourd'hui fait sa deuxième saison en N1, qui a fait de très bons passages, et puis Damien Sekebele qui comme j'ai dit tout à l'heure, au meilleur de notre phase aller a été un élément indispensable pour nous et qui peut encore aller chercher bien plus haut. Donc non, il n'y a pas de recrutement intérieur de prévu, il n'y a pas de Houssénou Leïba sans vue. Je sais que ça, c'est des choses aussi qui ont pu être dites. Houssénou est en phase de récupération, on ne sait pas à quel moment il va pouvoir revenir. Et on disait tout à l'heure avec Jonathan, il faut savoir s'adapter et rentrer dans le groupe. Et aujourd'hui, ça serait d'une part mettre l'équilibre du groupe en difficulté, parce qu'on ne sait pas vraiment s'il y a un joueur qui vient, comment est-ce qu'il va s'adapter. Et puis ça serait aussi remettre un peu en cause le boulot que capable de faire le staff. J'ai une pleine confiance en Dunia et Guillaume, j'assiste à pas mal d'entraînements, je sais le boulot qu'ils font. Aujourd'hui j'ai une pleine confiance en eux, j'ai une pleine confiance en mes joueurs pour pouvoir tenir les objectifs du club qui sont d'être dans la poule du milieu à la fin de cette phase 1. Très bien. Donc maintenant qu'on a un petit peu parlé de la N1, on va parler un petit peu du pôle amateur. Justement, quel objectif
as-tu mis en place avec ton équipe sur le pôle amateur justement ? On sait que tu as beaucoup parlé de la reconstruction du pôle amateur pour restructurer tout ça. Justement, parle-nous-en justement. Quel est ton objectif principal sur le pôle amateur ? C'est effectivement un gros point que j'ai soulevé et auquel je m'y attache énormément. Il y a eu plusieurs choses sur le pôle amateur. On a eu la période Covid, on la connaît et on va pas revenir dessus. Mais cette période Covid-là est arrivée en même temps que le SOPCC est arrivé en N1, à un an près. Donc c'est déjà pas évident d'avoir une transition entre une association qui a un club professionnel. Donc il faut trouver le juste milieu et arriver ce qui est arrivé au milieu. Donc aujourd'hui, il y a une grosse restructuration à faire. On avait des équipes jeunes qui évoluaient à très haut niveau. C'est plus le cas aujourd'hui, hormis pour les équipes CTC. Mais si on parle uniquement du SOPCC, on n'a pas une équipe qui évolue au-dessus du niveau départemental. Donc il y a beaucoup à refaire. Mais je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'inscriptions sur les petites catégories. Et c'est de là que ça commence. On est en train d'écrire progressivement avec Anthony Bouchier, qui est dans le club, qui s'occupe des catégories jeunes et qui a des qualités basket et des qualités humaines vraiment exceptionnelles. Et on est en train d'écrire ce projet du club petit à petit. Quand j'entends un projet du club, c'est à quel niveau on veut voir évoluer quelle catégorie. À la fin de la catégorie U7, qu'est-ce qu'il faut que les enfants aient comme acquis. À la fin de la catégorie U9, qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient comme acquis. Et ainsi de suite. Et puis il faudra, au milieu de tout ça, un manager général dédié uniquement au pôle amateur. C'est indispensable pour pouvoir s'assurer que le projet du club soit suivi, soit structuré, que les coachs l'aient compris, qu'ils rentrent dans le moule de ce projet du club-là. Donc il va nous falloir un suivi. Ça va prendre du temps, on le sait. Mais aujourd'hui, que ce soit les coachs qui donnent énormément de temps, les encadrants qui donnent beaucoup de temps pour le club, je pense qu'on est tous dans la même dynamique, on est tous dans la même optique. Et donc à partir de ce moment-là, le temps fera son œuvre. Très bien. Et donc pour finir, as-tu un dernier mot à laisser aux supporters, aux partenaires du club ? Oui, bien sûr. Deux mots. Un pour les supporters qui reviennent de plus en plus. On l'a vu entre le premier match et le dernier match à domicile. Et ça compte énormément parce qu'on sait qu'on va avoir une saison qui va être jusqu'au bout très compliquée, qu'on va se battre pour être dans nos objectifs. Et le public a ce rôle de sixième homme-là. On a une équipe de jeunes qui fonctionnent beaucoup à l'affect, qui ont besoin de sentir qu'ils sont soutenus, encouragés. Donc j'invite les supporters à venir encore et encore supporter le club. Et puis évidemment, un mot pour nos partenaires. On a clôturé cette phase aller il y a quelques semaines avec la première soirée partenaire. Alors on l'a fait tardivement parce que avec toutes les raisons qu'on connaît, changement de bureau. Donc ça a été compliqué, mais ça a beaucoup répondu présent. Et moi, en tout cas, ça m'a énormément touché. Je sais que ça a énormément touché aussi les jeunes de l'équipe, de voir qu'il y avait du soutien et que nos partenaires sont là, soutiennent le club malgré les changements qu'il y a pu avoir. Aujourd'hui, on est tous dans la même direction. On veut tous que le club vive bien, se pérennise à ce niveau-là avant de pouvoir viser plus haut. Et donc, je les encourage aussi à eux à revenir ici, encourager, parce qu'on a véritablement besoin de tout le monde. Ok, très bien. Bah, merci Nathan pour ta disponibilité. Et puis... à bientôt au bord d'un terrain.